Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Samedi, je vous avais dit que j'allais manger chez maman et c'est l'heure, il est midi et demi. J'ai un peu changé de look. Bon, déjà, j'ai essayé de faire des petites frisettes, mais j'y arrive pas, franchement. C'est pas terrible. Et puis, bah, collier, chose que je mets très rarement. Et j'ai mis ma petite tunique qui fait un peu kimono. Voilà, bon, allez, j'y vais. Je suis arrivée. Bah on va manger, je vais vous le montrer quand même rapidement. J'aime bien à chaque fois, elle prépare des petites choses sympas comme tout, qui sort de l'ordinaire en même temps. Moi qui ne fais pas beaucoup de cuisine. Le look est plutôt cool, hein. Même si c'est pas, j'avoue, c'est pas la couleur qui est très 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 flatteuse, en tout cas qui égaye mon visage, mais ça passe quand même. Oh, c'est des poireaux vinaigrettes. Ouais. Et ça, c'est du chou-fleur. Ah, j'aime trop, j'aime trop tout ça. C'est des petits fours de quoi? Champignons et. Emmental. Ah non, quiche. Je vous avais dit qu'il y avait toujours des choses un peu originales. Enfin, je vous présente toutes mes excuses. Maman, donc... Ah, je n'ai pas montré. J'ai pas montré le poulet avec les petites patates. Et donc, maman nous a pris des gâteaux. Mais en plus de ça, elle est en train de me dire il faudrait que vous goûtiez mes gaufres. Je pense que mon rééquilibrage, là, pour le coup, ça va être foutu pour aujourd'hui. Tu veux vraiment faire des gaufres en même temps que ça, maman? Attendez, je vous montre. Explique-moi. Pourquoi tu ne faisais pas que des gaufres? Parce que j'avais envie de manger et vous faire plaisir. Bon, voilà, voilà, écoute. Hein. On va dire que c'est. J'en fais deux. Non, non, maman, ça va aller, merci. Je veux. Oh, t'abuses. Non. Si, c'est dur. Deuxième café, je ne fais jamais. J'ai mal au crâne depuis ce matin. Allons voir sur la terrasse. Pourquoi? T'as quoi à montrer? Ça arrive. Mais je vais avoir froid, moi. Mais non, regarde. Ah, ça caille. Oh, tu as mis de la dentelle, maman, dans ton dos. C'est joli. Regarde. Attends. C'est quoi? Camélia rose. Ah, il est beau. Regarde ça, regarde les boutons. Attends, parce que ça veut pas focus. C'est vrai que c'est très très beau. Et ça vient juste de d'éclore. Oui. Ah oui, t'as coupé l'arc qui était là, c'est vrai. Mais c'est mieux, c'est mieux. De toute façon, c'était trop risqué, maman. Il aurait pu tomber sur ta façade avec toutes les tempêtes qu'il y a. Non, non, c'est. Vous avez eu raison. C'est du sable qui est retombé. De quoi? Du Sahara? Grosse régalade ce midi encore. T'en penses quoi alors? De quoi? Tu trouves que ça va bien ou pas, cette tunique? Oui. Bof. Si, au teint. Ah, bah, au teint, il faudrait mettre quelque chose. De plus. Oui. Mais bon, tu. Ou alors le rouge à lèvres, peut-être. Oui. Peut-être un rouge à lèvres. Rouge, rouge. Rouge. T'aimes pas quand je mets du rouge rouge? Maman, elle aime la discrétion. Tu vas le tomber avec moi. On est rentré, comme vous le voyez, parce qu'il fallait que je finalise la miniature de ma vidéo et tout et tout. Je vais vous montrer ce que je vous disais, l'avancée du costume. Et aussi concernant donc ma figurine avec la perruque, au début c'était un petit délire comme ça, c'est la fameuse perruque qu'on a coupée et qui est inutilisable parce que c'est pas beau. Et ben je trouve que ça fait trop délire, j'adore. Je vais la laisser là, c'est trop marrant. Et je vous montre le costume. Je l'ai mis sur le support, c'est artisanal. Hein. Et ça c'est deux perruques de la foire fouille, mais il n'y a que ce côté qui est fait. Et ben, y a du taf. Mais quand on le porte, ça fait vraiment joli. Bon, on file parce qu'on a encore des choses à acheter pour finaliser l'autre côté et puis le short, bref. Il n'y a pas la deuxième bleue? Non. Parce qu'on a mon frisotti. Le noir, il me semble que j'espère. On est rentré. Je l'ai mis faire. J'étais avec Eric aussi, là. Parce que son fils repart demain. Il me dit, je vais aller faire des corsets pour ce soir. Sans rien dire, il me dit, tu penses quoi pour ce soir? On fait, ouais, c'est pas beau, McDo. McDo ce soir pour son dernier repas. Ah. Allez, on va monter, je vais vous montrer un petit peu. Ben non, je vous ai déjà montré, mais on va bosser sur l'avancée encore du costume. Mais je suis dégoûtée, parce que je vous dis, ça sera pas aussi droit, vu qu'il n'y avait plus l'autre perruque bleue, la même droite. Bon, tu t'arrêtes, je vais lui donner un petit goûter. Alors, le noir, j'en avais. Bon, tant pis. Mais le rouge, j'en avais pas. Donc, ça, c'est bien. Ah, donc là, c'est un par rapport à ça qui est tout loin. C'est pas grave, on va mettre bien le bleu en dessous. Regardez, le retour. Hier, il a fallu qu'on fasse la police. Parce que, ah oui, son truc, c'est le bolduc. Et ça, c'est un peu comme du bolduc. Donc, il y en avait partout. Non, je vous ai pas montré.
Et il a chopé un petit bout, il s'est barré en courant. Trop drôle. Donc faut surveiller parce que c'est dangereux quand même. Franchement, ça fait habit de scène. Hein. C'est pas mal. Il faut qu'on coupe la tête pour égaliser un peu par rapport aux manches. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais vous montrer quand même le personnage pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est le moment où, enfin, c'est après sa rupture avec le Joker. La veste, elle a vraiment un support transparent, comme on a. On est d'accord, c'est pas complètement ça, mais l'idée est là, je trouve. Et on va s'attaquer à son short. C'est des bandes noires, des barreaux, et il y a plein d'étoiles rouges. Vous voyez? Et puis, il va falloir aussi faire des effets usés, là, avec des petites des fils. J'ai déjà commencé, là, à le couper, tout en regardant le vlog d'Enjoy Phoenix, 24 heures avec une ministre. J'aime bien ces 24 heures, je trouve que c'est bien foutu. C'est vrai? Et ouais, non, là, on va se lancer dans la... Enfin, je vais faire la peinture. Mais j'aime bien faire ça. Alors, l'idée, c'est de le recouper. Donc, ça sera plutôt comme ça. Et de faire des franges, 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 franges. Donc, j'ai regardé un petit peu une technique. J'ai sorti un truc comme ça pour épilocher. Mais, déjà, il faut que je le coupe. Comme ça. Et comme ça. Hop, hop, hop. Tu viens faire quoi, toi, mon Satan? Tu te rapproches de plus en plus, hein? Tu crois que je t'ai pas vu? On est déjà bien faire, hein? Voilà le résultat, un petit peu. Bon, là, je vais mettre du scotch pour délimiter les bandes noires. C'est vraiment fait à l'arrache parce que le personnage, de toute façon, il est rock'n'roll crunch. Je vais enlever, même c'est pas sec, les bouts de scotch. Alors, on est d'accord, ça sera pas des lignes nettes. Et c'était pas le rendu que je voulais. C'est plutôt bien. Hein. Franchement, ça passe. Regardez ça. Bah, moi, c'est de ma faute. Qui peint avec sa tenue? Bah, moi. Donc, là, je vais le mettre au lavage. Mais c'est, je crois que c'est la peinture à l'eau. Donc, enfin, ça part à l'eau. Donc, je vais laver ça tout de suite. Tenue tranquille. Bah oui, je me suis changée. J'ai lavé à la main. La manche, c'est pas parti. J'ai mis de la lessive. Je vais la faire tourner demain. Mais c'est pas gagné. Pourtant, il y a marqué se rince à l'eau. Bon, j'en sais rien. Contente, par contre. Des deux choses, c'est pas mal. Je vous montrerai peut-être demain, parce que là, il fait nuit, enfin, au niveau de l'ensemble, parce qu'il y a des accessoires et tout, c'est super sympa. La perruque, comme je vous disais, bah, elle est sur le chien, et elle va y rester, parce que je trouve ça hyper fun, ça se marie bien avec cette pièce. Voilà. Je vous ai dit ou pas? Ah non, je vous ai pas dit. La nana... Si, je vous ai dit, en fait. Si, je vous ai dit pour McDo. J'ai quand même mangé des gaufres, je suis là en mode, non, sucre, je fais gaffe, mais c'est parce que comme, c'est, on va dire, c'est le petit rituel, quand c'est le dernier jour du fils, il s'en va demain, il reprend l'avion, on lui fait un petit McDo, il aime bien, moi aussi, je ne vais pas vous cacher, mais bon, c'est pas, ça ne va pas ranger mes affaires, tout ça. Je pense que je vous reprendrai plutôt tout à l'heure. Voilà. Ça a coulé, mon make-up a coulé, je m'en rends compte. Sans rentrer dans les détails, crise de fou rire, à en pleurer, plié par terre. J'ai fait un total look. J'aurais presque pu vous vlogger. J'ai fait un petit délire, en fait. Je me suis imaginée aller chez McDo avec... En fait, est-ce que vous savez, vous rappelez les trois robes de collection et tout? La rose asymétrique, genre de princesse, donc j'avais mis ça, avec mes cheveux complètement en vrac partout. Ça faisait vraiment ZZ et Pouzix. Des bottes noires et la veste un petit peu de cheerleader. Enfin, c'était immonde, immonde. Et du coup, voilà. Petit délire. Ouais, comme je vous dis, je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure. Tranquillement, rapidement. Ça y est, Eric est parti chercher McDo. C'est vraiment la journée du craquage. Gros craquage. En même temps, ça se refusait pas ce midi. Je pouvais pas passer pour la chieuse. Genre, non, je ne veux pas de sucre. Et ce soir, non, pas de McDo. Bah non. Je me trouve un peu des excuses, j'avoue. Mais
C'est pas facile. C'est franchement pas facile hein, quand tu décides de faire gaffe et tout à ton alimentation. En fait, c'est pas facile dès l'instant où tu es en tu vis en société, que tu reçois ou que tu es invité, que tu vas au resto, forcément. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est un craquage comme ça de temps en temps, franchement, ça va. Surtout que je suis au début. Le tout, c'est de se... Voilà. Hein. Je ne trouve pas mes mots. Sinon, ce soir, samedi soir, eh bien, je vais regarder The Voice avec Nikos. J'aime bien, moi. Et je vous avais déjà dit, mais j'aime bien. J'aime bien même le jury. Mention spéciale pour ma part. Pour... Oh merde, comment elle s'appelle ? Amel Bent, je trouve que ouais, elle est vraiment à sa place. Allez, c'est parti. Allez, oui, c'est parti. Ça commence. Ils sont pas arrivés encore, j'ai faim. C'est pas la lumière. Ça y est, ils sont arrivés. Bon, c'est le premier. Tu vois ? Alors, bah moi, c'est comme d'hab. Je suppose que tu m'as pris comme d'hab. Hein. Menu signature avec la boîte à partager, c'est ça ? Oui, comme d'hab. Nickel. Regardez-moi cette boîte à partager, elle est dingue. Ça, dedans, c'est du fromage raclette. Cela, et puis bah, des nuggets. Et sinon, je vous montre, parce que je crois que je ne vous ai pas montré l'autre fois. En fait, c'est ça. Le signature, pour moi, c'est le meilleur. Par contre, il n'est pas donné, hein, le menu. C'est combien ? 12 euros, le menu ? Je vous reprends le lendemain matin. Pour vous montrer un petit peu plus la tenue et puis bah, le reste des accessoires. À la base, c'est une veste en plastique. Je trouve que ça va être une... Comment on appelle ça pour la pluie ? Oh, je sais plus. Les bretelles orange. Normalement, elle a un crop top très très court, mais tu peux mettre le t-shirt. Il y a des bijoux en argent aussi, il faut qu'elle trouve. Le short, tiens, on va voir comment il va. Je suis très contente. Hein. Ça ressemble... Ça fait bien aussi. Voilà, c'est tout. J'en profite, je vous fais un gros bisou et vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut !